Rasmette et radieuse. Au festival d'Angoulême, où elle a présenté son premier court-métrage, l'actrice-réalisatrice s'est confiée face aux caméras de BFM Télévision. La fille aînée de Johnny semble apaisée, heureuse de l'accueil réservé à son travail. Je suis hyper fière, assure-t-elle. Hier soir, j'étais stressée, puis je me suis dit non, en fait je vais essayer de le prendre que avec de la joie et du bonheur. C'est vrai que ça a été fait d'une manière assez particulière, elle a notamment travaillé avec sa mère Nathalie Baye, note de la rédaction, et donc du coup c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ce nouveau rôle de réalisatrice, Laura Smith compte bien l'endosser à nouveau. Je suis en train d'écrire mon long métrage, et j'espère aboutir et le faire, confie-t-elle. Ça fait 2 ans, ça prend du temps mais j'espère que ça arrivera à terme. La grande sœur de Jade et Joie, qui était apparue resplendissante pendant le festival de Cannes, explique pourquoi elle voit le monde du cinéma comme sa famille. C'est surtout le cinéma qui me nourrit, ça m'apporte énormément d'émotions. Quand j'ai un coup de cafard, ou quand je vais bien, je passe ma vie au cinéma. J'étais contente de retrouver mes vraies racines. Crédit photo, Coadic-Guirec Best Images.